It is indeed the second time we meet in the framework of the implementation of the Memorandum of Luanda to further discuss the progress accomplished thus far. In the first meeting in Kigali last September, we witnessed the political will of both governments, Uganda and Rwanda, to achieve an agreement that will further improve the bilateral relations of the two countries to the benefit of their respective populations. That showed to the world that, in the spirit of African brotherhood and solidarity, Africans can find solutions to any disputes that may emerge between them by peaceful means through dialogue. The Republic of Angola salutes these efforts and remains committed to the Memorandum of Luanda and available to assist as the facilitator, as a co-facilitator of the process when it's needed. We are confident that our two sister countries have all the necessary conditions to make this dialogue a success story, given the important role that both countries have in the geopolitical balance of the sub-region for the consolidation of peace and security as a fundamental premise for the most wanted regional economic integration. Is then we justify the expectation that we are looking forward to hear from the delegations of Uganda and Rwanda positive reports that can confirm the results of the work already done. Notre présence parmi vous ces jours marque encore une fois l'engagement de la République démocratique du Congo sous le leadership, bien sûr, de son président à favoriser le règlement de nos litiges éventuels selon nos us et coutumes africaines, c'est-à-dire sous l'arbre à palabres. Comme nous l'avions déjà exprimé lors de notre première rencontre de septembre dernier à Kigali, nous allons une fois encore exhorter nos frères, nos sœurs de l'Ouganda et du Rwanda à plus d'ouverture, à plus de sincérité pour que, effectivement, nos linges sales se lavent en famille.
Nous osons espérer que le temps que nous avons mis, au lieu des mois où nous devions nous retrouver en novembre, si nous nous retrouvons aujourd'hui en décembre, nous espérons que ce temps a été mis à profit pour essayer de mûrir les problèmes qui semblent nous opposer, de sorte à ce que aujourd'hui nous puissions effectivement crever l'abcès et proposer des soins appropriés pour stopper donc ces cancers qui semblent nous ronger. Nous n'aurons donc pas à tenir de longs discours parce que la première responsabilité revient donc à nos deux frères qui, je l'espère, vont nous éclairer sur ce que nous avions déjà décidé lors des rencontres antérieures. Et en même temps, nous allons souhaiter que ces cadres de concertation ne soient pas comme certaines organisations qui ont été mises en place, qui continuent à tenir d'interminables conciliambules sans jamais arriver à trouver des solutions aux problèmes effectivement posés. Je nous souhaite donc de fructueux travail. Et encore une fois, avec le souhait que ce soit peut-être la dernière fois que nous nous rencontrons et que la prochaine fois, nous puissions saluer le retour de bonnes relations de voisinage et de fraternité.